Voilà le gendre du riche Lugano, négociant de Sicile. Il a plus de ce cas, lui seul, que toute la République de Venise. Justement, toute cette fortune m'humilie, Camille. Pourquoi ? Moi qui n'ai que mon épée. Quel orgueil ! Nous reprocher nos richesses comme si c'était une faute ? Est-ce qu'en sauvant mon père des brigands du Val-de-Molle, vous ne m'avez pas donné 1000 fois plus que je ne puis vous offrir? Le seigneur Lugano vous en donnera bien d'autres de richesses. Ce matin encore, on l'a vu sur sa tartane partir au-devant d'un riche convoi de Smyrne. Comment, Rita? Tu as laissé partir mon père? Au moment de notre mariage. Mais soyez tranquille! Il sera de retour pour la cérémonie. Il n'y a plus de danger maintenant que ce fameux corsaire, ce terrible Zampa, a été arrêté. En est-on bien sûr? Oh, cette fois, il a été conduit dans les prisons de Melazzo, à 2 lieues d'ici. Je viens même de recevoir du conseil de Messine la sentence qui le condamne. Oh, Sainte Marie! Vous avez osé la lire, monsieur Alphonse? Un pareil monstre, un Satan sorti direct de l'Etna avec sa bande de réprouvés, hein, qui depuis 15 ans dévaste l'Italie. Il ne vit que de pillage, rançonne les hommes, séduit les femmes. Il enlève les petites filles! On ne peut pas dire que c'est un chrétien, celui-là! Tu lui en veux beaucoup, ma petite Rita. Ah, un homme sans raison. Il est cause que je suis veuve, monsieur. Pauvre Daniel Capuzzi. Un si bon mari, disparu au bout de 6 mois de ménage. Au moment où je commençais à m'habituer à lui. Il aurait été jeté dans la mer par ses mécréants. Ce Zampa ne manque pas de générosité. Récemment, il a refusé sa grâce et n'a point livré ses compagnons. Ah, je vous en prie, ne parlons plus de cet homme. Son seul nom me fait trembler. Papa, faut être charitable. Puisqu'il va être pendu, il faut lui pardonner. Je cours aux cuisines, on prépare le banquet. Panier ! Vous, monsieur l'officier, pourra-t-il le retour du seigneur Lugano? Adressez une petite prière à notre patronne du pays, la bonne Alice Manfredi. Alice Manfredi? Qu'avez-vous, Alphonse? Quel nom vient-elle de prononcer? Mais celui de cette statue. Une jeune fille qui repose là et que tout le canton révère comme une sainte. Vous connaissez son histoire? Non, je vous jure. Dites-moi tout ce que vous en savez. Quel intérêt? Je vous expliquerai.
Il y a là-dessus une complainte que chantent les jeunes filles. Une honte naissante.
Comme ce récit vous a ému, Alphonse. Ce séducteur qui a causé la mort de la pauvre Alice, c'était mon frère. Votre frère? Oui, mon frère, le comte de Monza. Il a rempli l'Italie du bruit de ses désordres. Plus jeune que lui, je n'ai pu le connaître. Il dissipa les biens de mon père, força ce noble vieillard de chercher une autre patrie et de quitter son nom. Et il termina son sort dans les prisons de l'Inquisition. La vue de cette statue m'a troublé. Alphonse, craignez-vous qu'elle se venge sur vous des crimes de votre frère? J'avoue que l'idée d'habiter dans ce château me cause quelque émotion. Moi, je suis sûre qu'Alice nous protégera. Elle n'en veut qu'aux amants par jure. Vous avez raison, Camille. Je ne veux plus songer qu'à mes amours. Bah, et vite, et vite! On demande Monsieur Alphonse. Qui donc? Un homme à cheval qui prétend qu'une troupe de cavaliers vous attend dans le bois de citronniers. Ah, les officiers du vice-roi, je les ai invités. Je cours au-devant d'eux. Ne soyez pas long. Dans 5 minutes, je serai auprès de vous. Dame, on ne se marie pas tous les jours. Chercher le curé. Bah, parti depuis 4 heures ce matin, elle devrait être de retour. Oh, alors lui qui me fait la cour et qui veut remplacer ce pauvre Daniel. S'il n'est pas plus correct que ça, nous ne pourrons pas nous entendre. Hein? Écoute, mais c'est lui, c'est Dandolo. Mon Dieu, comme il est pâle.
arriver. J'ai pris par le Val-de-Monde pour arriver plus vite. Il faisait à peine jour, je chantais pour me tenir compagnie, lorsqu'au détour de la Roche Blanche, je vois devant moi un grand diable qui m'arrête brusquement. Où vas-tu, imbécile ? C'était un de tes amis. Je l'ai cru d'abord et je m'apprêtais à le saluer. Mais je me suis mise à trembler si fort que je n'ai jamais pu saisir mon chapeau. Oh, poltron ! Trembler devant un homme seul ! Du tout, c'est qu'il n'était pas seul. Il avait avec lui un sabre et 4 pistolets. Au ciel ! Où vas-tu ? Qu'il me répète d'une voix de tonnerre. Cherchez le curé de Melazzo, que je lui répète. Pour marier la fille de riche Lugano, qu'il me dit, c'est inutile, le curé est mort, il n'ira pas. Du reste, ajoute-t-il, ce mariage ne se fera pas, je ne le veux pas. Comment ? Je me suis mise à courir, j'ai failli me jeter à la mer. Oh, ça a convié ! Ce mariage ne se fera pas ? Mais qui est cet homme ? Et de quoi se mêle-t-il ? Tenez, je crois le voir encore. Il est sorti d'un petit enfoncement, là, et... Ah ! Ah, mon Dieu, c'est lui ! Mais qui donc ? L'homme au manteau ! Regardez !
J'ai rencontré ce matin. Oui, c'est moi qui ai eu ce plaisir. C'est bien. Faites préparer des appartements pour moi et ma chouette. Comme ça, vous restez quelque temps avec nous? Oh, c'est possible. Une affaire imprévue retient Lugano loin d'ici. Comme nous sommes d'anciens amis, il m'a offert sa maison. J'ai accepté son façon. Ah, un ami, c'est différent. Il paraît que vous n'apportez pas que des bonnes nouvelles. Il est bien, ce château. Y a-t-il quelque chose à voir dans les environs? Ah, dame, vous ne pouvez pas mieux tomber. L'Etna commence à jeter des flammes. Et demain, tout le canton se rassemble pour voir pendre le fameux Zampa. Ce sera très beau. Zampa! Un pirate! Oui, un misérable! Oh, on le prend.
que l'on me sert à boire, et surtout les meilleurs vins de la cave de notre hôte. Combien de couverts? Une vingtaine. Ah! Tu hésites, je vois. Et n'oublie pas le chypre, je ne bois que ça. Où sont nos hommes? Dans le jardin. Le vieux Lugan. Prisonnier dans la galère. Le jeune homme. L'amoureux. Pietro s'est chargé de l'attirer dans le bois de citronnier. Nous voilà maîtres du terrain. Et tu vois bien qu'avec de l'audace, rien n'est impossible. Pris ensemble, tout est possible. Mais c'est tenter le ciel. Je ne passe pas un jour sans lui demander pardon de nos fautes. Pour être corsaire, on n'est ni juif, ni sarrasin. Ah, voilà mon cafard. De quoi te plains-tu? Ah, je ne dis pas. L'état de pirate est assez lucratif. Mais prenons vite la rançon du vieux Lugan. Bien large. Non, j'ai changé d'idée. Comment ça? Nous restons ici, dans ce château. Jusqu'à demain. Y pensez-vous, bonté divine? Et si l'on vous reconnaissait? Il n'y a pas de danger. Ils me croient encore entre quatre murailles. Quand ils s'apercevront de mon évasion, je serai l'époux de la séduisante Camille. Qu'est-ce que vous dites? Oui. Je vais me marier. Encore? Et pour 15 jours, comme à votre ordinaire? C'est le seul moyen de prendre l'immense fortune de vieux Lugano. D'ailleurs, la petite est charmante. J'en suis amoureux fou. Et vous croyez qu'elle consentira? Tu feras venir ces riches habits qui ont servi à mon dernier mariage à Venise. Voilà les folies qui vont recommencer. J'ai toujours dit que les femmes nous perdraient. Elles décident de mon sort. Dans le monde, il y a une foule d'usages ridicules. Toujours des obstacles. Des pères, des frères. Il faut être fidèle ou n'en tromper qu'une à la fois. La vie est trop courte pour toutes ces entraves. Mon royaume est partout où je suis le plus fort. Et toutes les femmes m'appartiennent. Mais qu'est-ce que vous en ferez, mon Dieu? Je n'en ai jamais eu qu'une seule. C'était la mienne. Je l'ai quittée. Et je ne crains qu'une chose, c'est que le ciel ne me la rende. Capitaine, votre amour sera cause que nous serons pendus. C'est mon affaire. C'est aussi un peu la nôtre. Pietro est-il parti pour Messine? Il n'a pas voulu y aller. Comment? Il voulait savoir ce que contenait la lettre au vice-roi. Tu ne lui as pas brisé le crâne? Si. Et il s'est décidé à partir. Je n'aime pas les curieux. Et le premier qui? Qu'est-ce que c'est encore? Le signal convenu. La galère est à l'ancre. Appelle nos hommes. Oh, c'est génial!
À ma noce, je vous convie. Nous acceptons. Nous acceptons. Avec de pareils vins, je n'arriverai grand avec la Turquie. Messieurs, pardonne-moi à dire. Au diable, le cacon. Pour gagner, écoute ma chanson. Au diable, le cacon. Thank you.
tel objet s'offre à ma vue. Attends, cette statue, Alice Manfredi, dont l'amour par vous fut trahi, la voici. Eh bien, une image de pierre me fait trembler. Ce que sur vous, elle semble jeter un regard de colère. Du nom, vous pouvez être le résistant. Les malditons sont très jaloux. Dites-moi, qu'allez-vous faire? Aimer, apaiser sa colère. Au ciel, elle a pris sur vous, le chien a trouvé son cerveau. Je m'attache à vos pas. Notre maîtresse vous attend, elle veut vous parler. Je suis un agent dans ce flambeau marchand. Pas la passe, la belle n'a pas résisté. Ah, j'oubliais cette riche alliance qu'à son doigt. Je veux présenter. Sieur, qu'ai-je vu?
éclat, vous n'êtes pas ému. Divin la vapeur enivrante, cause un autre erreur, je la vois. Ce n'est point un prestige, mais pour calmer votre épouvante. Zampa a bravé la statue de marbre de sa fiancée. Avete ascoltato il primo atto di Zampa o la fiancée di marbre, Zampa o la fidanzata di marmo, opera comique in tre atti di Ferdinand Herold. Richard Troxel, Bernard Richter, Patricia Petitbon, Leonard Pizzino, Doris Lamprecht e Vincent Ordonneau erano gli interpreti insieme a Les Arts Florissants diretti da William Christie. E passiamo dunque alla trama del secondo atto. Thank you.
l'entend, elle la prie. Vain espoir qui pourrait l'arracher de mes bras.
Ta frayeur. Vous riez de tout, capitaine. Mais moi, je n'ai pas dormi de la nuit. Cette main de marbre, ce regard menaçant. Folie, illusion. Tu as revu ce matin cette statue si terrible, immobile et à la même place. Oui, avec cette différence que la bague avait disparu. Oh, pour cela, il n'y a rien de surnaturel. Nos camarades étaient là. Elle est dans la poche de l'un d'eux. On la tienne peut-être. J'atteste le ciel. Ah, patiemment si tu veux que je te croie. Et laisse-la le ciel. Quel homme. Assez. A-t-on exécuté mon ordre, c'est tout. Voyez-vous-même, tout l'équipage est dans sa superbe. J'ai mis le costume de ce pauvre portugais. Mais non, sérieusement, capitaine. Ce mariage, la belle Camille consente à vous épouser? A-t-elle les moyens de refuser quand le salut de son père en dépend? Ça vous portera malheur et nous en serons pour nos frais. Pourquoi? Parce qu'on s'est aperçu de l'évasion de Zampa. Léon! Toutes les troupes sont sur le pied de guerre et partout où il va être arrêté, la sentence doit être exécutée sur le champ. Alors vous voyez bien, il n'y a pas une seconde à perdre. C'est juste, je vais donner l'ordre. Oui, de battre en retraite. Non! D'avancer l'heure de la cérémonie. Mais nous ne pouvons échapper aux recherches. Tais-toi, cafard. Je vais songer à ma toilette. Dès que Pietro sera revenu de Messine, amène-le illico. Et souviens-toi que Zampa répond de vous. Il répond de nous, il répond de nous. Son étoile commence à pâlir. Et si nous étions pendus? C'est le ciel! Ah, grand Dieu! Mais j'ai vu! C'est ma femme! C'est mon âme! Ah, Notre-Dame! C'est avoir du malheur! C'est toi que je revois, mon bon Daniel, viens donc ici. Oui, si bien toi, tu sois béni, mon pauvre ami, mon cher ami, que j'ai pleuré, que j'ai cru mort. Mais parle donc, quel est ton sort? Qu'as-tu fait? Qu'es-tu devenu? Es-tu bien riche? D'où viens-tu? Tu ne dis rien, tu ne dis rien. Tenons, ou bien sa langue nous perdrait. Et que dans deux minutes, je suis Rita, je suis Rita, je suis Rita. Rita? Qu'est-ce que c'est? Que voulez-vous? Ma bonne femme. Bonne femme?
Pas sur mon âme, ce n'est pas lui. Car jamais mon mari ne m'a dit, bonne femme, non, non, ce n'est pas lui. C'est toi, ses habits tous les temps, elle est ce contre Dieu merci. C'est toi, ses habits tous les temps, elle est ce contre Dieu merci. Dans nos biens, dans nos biens, car elle la fit pour lui. Faut bien se faire une raison, il faut bien.
Alors, je vous engage à vous marier le plus tôt possible. Ah, mon Dieu, ce n'est donc pas lui. Certainement, nous allons nous marier. Si tu t'en avises, je t'assomme. Hein? Mais qu'est-ce que c'est? C'est rien. Je lui disais simplement que s'il vous manquait un témoin, je me ferais le plaisir d'être ce témoin. Ne lui parle pas, ne me quitte pas, sinon je ferai dire des messes pour toi. Mais qu'est-ce qu'il lui prend? Eh bien, où allez-vous? Je l'ai prié de me servir de guide. Ah, mais vous allez revenir. Sans doute. Par ici. Ah! Oh, c'est rien. Qu'est-ce que ça signifie? Oh, mon Dieu, vous allez voir que de deux, il ne m'en restera pas un. Maudits étrangers, qui ont jeté un sort sur tous nos mariages. Ah, oh, c'est toi, Rita. Oh, j'ai cru que jamais je ne m'échapperais de leurs mains. Mais des mains de qui? Des misérables qui m'attendaient dans le bois. Oh, allons. Oh, mais encore une histoire. J'aurais préféré y mourir. Quoi? Vous savez déjà? Que Camille m'abandonne, me trahit. Ne l'accusez pas, monsieur Alphonse. Elle est assez malheureuse comme ça. Elle a passé sa nuit à faire des prières en prononçant votre nom, celui de son père. Mon nom? Et quel est donc ce rival? C'est un mystère impénétrable. Il a une suite nombreuse. Il revend de l'or à pleine main, et puis il séduit tout le monde par ses présents, et personne ne le connaît. Je veux voir Camille, lui parler à l'instant. C'est elle. Alphonse. Qu'ai-je donc fait? Répondez-moi! À peine je respire! A-t-il pu suffire pour m'effacer de votre cœur? Ayez pitié de ma douleur, Alphonse, je ne puis rien dire! Ah, j'ai tout deviné! Mon Dieu! En vain, vous voudriez le taire! Comment? Ce sacrifice affreux! Eh bien! C'est votre père! Si le savait, hélas, il n'y souffrirait pas. Qu'entends-je au ciel? Tel est le destin qui m'accable. Je dois m'oublier, me justifier. Come on.
Thank you.
pas, monsieur Alphonse. Eh bien, je ne sais pas ce qui va arriver avec pareil misérable. Des misérables? Sais-tu qui c'est? Non, mais j'ai des soupçons. Explique-toi. Ces gens-là me sont suspects. Et leur chef? Ils ne vont pas mieux que les autres. Chut! Ils se disent tous être des seigneurs. Ce n'est pas possible. Ils ont de curieux habits. Ils boivent rondement. Ils ont des manières si singulières. Pendant que je les servais, j'en ai vu plusieurs qui, après avoir bu, mettaient la tasse d'argent dans leur poche. Est-ce tout? Non, pas vraiment. Je les ai entendus chuchoter. Si Pietro était pris, nous serions perdus. Pietro? C'est un des leurs. Ils l'attendent. Et si l'on pouvait guetter l'arrivée de cet homme? Et intercepter la correspondance? Oui! Camille est trompée, il en va de son salut. Écoute, Dandolo, cours vite sur la grande place et demande de ma part à un officier quelques hommes. Vous vous embusquerez à la pointe San Felice. Et dès que ce Pietro paraîtra, je comprends. Quel bruit! C'est le peuple qui se rassemble pour le mariage. Pas un instant à perdre. Cours vite! Allez! Moi, je vais les attendre au pied même de l'hôtel. Thank you.
la flamme consorte.
quel trouble. Je tremble. Non, je ne me trouble pas. Il le connaît. Quel embarras. Ma surprise le double. Et ce signalement. Monsieur. C'est vrai. L'admettons d'honorant qu'il combatte sous la bannière qu'il méconnut autant. À ce prix, son pardon est accordé sur terre qu'il obtienne du ciel. Le ciel, c'est mon affaire. Je viens lu, quel changement à mon pouvoir, croyez-vous, maintenant? Que toute crainte soit bannie. Thank you.
enregistré. Est-ce un rêve? Me voilà sa femme, lui dont le seul regard m'épouvante. Mais mon père est sauvé, il va m'être rendu. En le serrant dans mes bras, j'oublierai de quel prix j'ai payé ce bonheur. Pauvre Alphonse, parti sans doute. Il ne saura jamais que j'ai cédé au plus saint des devoirs. Cantange, cet air sicilien que nous avons chanté si souvent ensemble. Qui est-ce? Je ne vois qu'une sentinelle. La nuit approche lentement. Où vas-tu, pauvre gondolier? Je vais sur un autre rivage chercher à son l'hospitalier
Silence! Vous ici? Ne craignez rien! Personne ne m'a vu. Celui qui se dit votre époux visite le port, suivi de tous ses gens. Écoutez-moi. Que voulez-vous? Vous sauver. Moi? J'ai appris la captivité de votre père et le sacrifice qui vous est imposé. Une promesse arrachée par la violence ne saurait lier votre sort. Que dites-vous? Je ne supporte plus. La seule pensée est de vous savoir la compagne de ce monstre. J'ai voulu l'appeler au combat. Au ciel! Il a refusé. Moi, l'héritier de Monza, j'ai subi cette humiliation. Tout est prêt pour votre fuite. Un seul mot, je vous conduis au pied du vice-roi. Cet hymen ne vaut rien. Vos nœuds seront brisés et votre liberté sera... Quoi? Revenir sur un serment prononcé devant Dieu? Non, Alphonse. Ma vie est terminée. Je ne serai pas à un autre. Que dites-vous? Il me reste encore un espoir. Zampa a promis, au moment d'être unis, de m'accorder la grâce que je solliciterai. Et vous croyez en sa parole? Lui qui se joue effrontément du ciel, des hommes et de ses serments. Il tiendra sa promesse. Il l'a juré sur l'évangile. Il était ému. Je l'ai vu pendant que le prêtre nous bénissait. Et quelle est cette grâce que vous allez lui réclamer? Au ciel! C'est lui! C'est Zampa! Fuyez! Fuyez! Vous n'avez qu'un instant, Alphonse! Partez de grâce! Vous le souhaitez? J'obéis. Adieu pour toujours. Voilà chez moi, dans mon ménage. Qu'en dis-tu, Daniel? L'ancrage paraît agréable. Oui, après une vie d'errance, il est doux de se trouver maître d'une jolie femme. Et que Dieu vous y maintienne. Quant à moi, capitaine, je vous fais mes adieux, je me retire des affaires. Tu vas me quitter au moment où nous allons vivre en honnêtes gens. Je ne peux pas me faire à tout ce qui se passe autour de vous. Des statues qui marchent, qui se promènent comme des personnes naturelles et qui ne vous laissent pas un moment de repos. Il paraît que vous l'avez encore vu pendant la cérémonie. Je t'avais défendu de m'en reparler. Pardon? As-tu exécuté mon ordre? C'est tout ce que je veux savoir. Je me suis rendu avec quatre de vos gens dans la galerie du château. Nous avons enlevé cette diable statue et après l'avoir brisée en 1000 pièces, on l'a jetée à la mer. C'est bien. Voilà des livres. Ainsi soit-il. Mais quand ces débris ont disparu, la mer s'est agitée et l'Etna a jeté des flammes. Imbécile! Tu vois du merveilleux partout. Capitaine, n'avez-vous pas entendu marcher de ce côté? Sans doute Camille qui m'attend. Et tu vas me faire le plaisir de... Ah non, 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 c'est qu'il faut traverser cette maudite galerie pour aller rejoindre Madame Daniel. Madame Daniel. Et
Hélas, oui, capitaine. Par malheur, j'ai retrouvé ma femme. Et pour me mortifier, je vais finir mes jours auprès d'elle. Oh. Amendez-vous aussi, capitaine. Il n'est jamais trop tard pour la repentance. Je reviendrai demain chercher ma part de butin. Bonne nuit, capitaine. Oh, diable! Et que ça compte, étouffe-toi et qui serre-moi! Cher Camille, qu'il me tardait de vous revoir. Mais comme vous êtes ému. Monsieur, je viens vous rappeler votre promesse. Vous m'avez juré devant Dieu de m'accorder la grâce que je demanderai. Je le jure encore. Que voulez-vous? La permission de me retirer dans le couvent de Sainte Agnès et d'y passer ma vie. Défendu, impossible! J'ai votre parole! C'était un piège! Me quitter, vous que cet hymen a mis en mon pouvoir! Ma fortune est à vous! Je n'y prétends plus! Périssent toutes ces richesses que je méprise! C'est vous seul que je veux! C'est pour vous que j'ai vendu ma liberté! Et nulle force humaine ne pourra vous ravir à mon amour! Infâme! Au nom du ciel! Ayez pitié de moi! Je devine. Quel orgueil! On s'indigne de partager le sort d'un corsaire! Le nom de Zampa vous fait horreur! Rassurez-vous, Camille. Je puis vous en donner un plus illustre. Celui de Contessa de Monza. Monza? Que dites-vous? Ce titre? C'est celui de mon père. Le mien, et personne ne peut me le disputer. Dieu, c'est mon frère. Courage! Je me sens mourir. Le soir, la soirée, on va mettre le vent, ma chambre,
dans vos yeux, laisse-moi lire ce mot qui doit combler mes voeux. Pour ton Seigneur, me semble nous dire l'amour est là. Thank you.
Thank you.
Zampa ou la fiancée de marbre de Ferdinand Hérold, très à la mode au 19e siècle. Centaines et des centaines de représentations jusqu'au début du 20e siècle et puis plus rien. Il est revenu à l'affiche, c'était hier soir à l'Opéra Comique que ce Zampa a été enregistré. Come state sentendo, un grandissimo successo all'Opéra Comique di Parigi per questo Zampa o la fidanzata di marmo. Opéra Comique in tre atti, su testo di Melesville, musica di Ferdinand Hérold.